l'efface. Et Mister Cher, Et tu n'es Mister pas Cher. l'efface. Il ne connaît pas l'efface, bien sûr. Parce que c'est moi. Ça me semble logique, tu me dis donc. Alors, du coup, après moult et moult réflexions et galères sur cette. Bah, déjà, on se retrouve sur Limbo une fois de plus. Sur Limbo, toujours, l'épisode on de change suite. Pas les habitudes. Mais sur cette putain d'énigme, on va dire ce qui est. On a. on a, à force de cogiter, nous avons réussi à trouver la solution. Au final, c'était pas, enfin, au final, c'était pas si compliqué. On est, ça. On est parti dans un délire pour se compléter à faire des descentes de trucs, machin. L'enfer, en fait. Fallait même juste pas propulser la caisse, en fait. Fallait juste tirer le truc. On Parce se que disait. Le truc avec la propulsion, c'était pas possible. Bah, en plus, on se disait bien. Ouais, ça sert à rien, dis donc, ce truc. Tu m'excuses, je te pique un petit lapin. Vas-y, vas-y, prends. J'ai fait un ASMR 1000K. Oh non, fais pas d'ASMR, je t'en supplie. Comme ça, après du micro. Ah, arrête, l'expression est tranquille, bon dieu de bordel. Oula. T'as mis la caisse trop loin. Oula. ça glisse par ici, donc. Ça, il y a trop du, il y a de l'huile d'olive. Ah ouais. Non, moi je suis sûr, faut que tu lâches le levier. Parce que ça monte tout seul. Voilà. Ouais, ça monte lentement. Donc, faut que tu cours et que tu sautes. Non. Ok, bon. Je pensais que ça suffisait pas, mais bon. Après, il va falloir se balancer. Oula. Je suis pas du bon côté, attends. C'est pas ça à faire. Wow, wow, wow. M'emmène pas trop, j'ai pas des grandes chevilles. Hein. Bah, tu te propulses comme ça et tu sautes en arrière, tu fais un petit saut arrière. Alors, je me mets bien au bout là. La propulsion. Vas-y, fais un bon Tarzan. Là. Et bah, hop là. Ouais, ça c'est. Ouais, je... Oula. Ça, ça pue la merde. Je crois que t'as actionné le mauvais bouton d'abord. Non. Si. Je suis pas assez. Non. C'était un peu un suicide en direct, on va dire. Ouais, je pense que ta partie commence bien. Mais, ah bon, non, alors, pas alors, mais attends. Comment tu veux les empiler? Si on fait ça. Ça l'active quand même. Là. Non. C'était pas comme ça. Oh putain, mais. La question c'est est-ce qu'on doit vraiment monter? Elle m'a tiré littéralement des os. Mais la question c'est est-ce qu'on doit monter? Et si les caisses fallait pas juste les balancer en bas pour choper justement la corde sur un teco ou une corde du genre? Parce que là je vois aucun moyen de monter et tu peux pas empiler les caisses. Et non. Donc autant les balancer. Ouais, sauf que tu peux pas rattraper la corde et puis si tu sautes, tu te pètes la cheville. Non. Si. Non, moi je crois que ce gamin il est résistant. Essaye, fais un test. Moi ce que je vais faire, attends, on teste, regarde. Peut-être en dessous. Non, non. Un truc peut-être qu'elle va pas jusqu'au bout. Je pense que c'est. Oh, oh, oh! Oh, je crois qu'elle t'en veut même! Attends. Oh, le manque de respect! Là, regarde le buste là, en canette! Bon, bah tiens. Bon, d'accord. Bon, bah après cette précédente énigme, on va encore être bloqué. Je pense que c'est le but. Bon, bah voilà. Oui. La réponse, oui, les caisses vous butent. Non, ok. Je comprends pas. Oh, si. Bah voilà. Putain, t'es un génie. Bah, au final, on est con en fait. On est tellement con. Il y avait qu'un seul moyen de les empiler. Je vais te dire, moi, je vais te dire. En fait, faut que t'attendes que la caisse tombe sur le truc. Oula. J'ai envie d'aller dans ce recoin sombre. Je vois que t'as les pieds dans l'eau. What the fuck? Et. What the fuck? Seul dans les ténèbres, d'accord. Et y'a vraiment juste un mur là? Ouais.
Attends, si tu peux te redécaler par là, je pense que pour l'instant on ne peut rien faire. Très joli cette. Donc, il y a attends, des petites attends, bougies. Là, attends. Est-ce que tu peux prendre une bougie? Bah, ce serait tip top. Non, non, non. Non, tu peux pas. Il y a un truc à enclencher. Parce que ça, c'est relié à un mécanisme là-haut. C'est sûr que tu peux pas prendre une bougie? En fait, je suis pas sûr que non. C'est par là que je devais aller à la base en fait. Bah, va falloir traverser le nord. J'espère qu'on va pas se faire bouffer parce qu'il y a des bruits chelous quand même dans ce putain de couloir. Saleté. Il y a une drôle de bête, je suis sûr. Parce que j'ai vu un truc au plafond, je sais pas si tu l'as vu aussi. Si. Là, ça fait un petit. Ouais, ça a parlé, hein. Y'a peur, hein, ça y'a plus de secret pour moi. Allez, on s'en va d'ici. Oula. Elle balote l'échelle un peu. Mais non, c'est dans ta tête. Oh. Alors là, il y a un tuyau à tourner. Toboggan, toboggan, wouh. C'est un moustique. Putain. Ah si si. Qu'est-ce que je suis censé faire? Je sais pas, ça tu peux le bouger, c'est un cadavre. Ça bouge ce truc là ou pas? Ok, non. Moi je sais ce que je dois faire. Approcher tout doucement. Ouais, et je me mets dessus. Oh, bien joué! Vas-y, accroche-toi à l'échelle. Détache la patte, moi, zao! Tu peux lâcher, je pense. Non? Non? Ah bah si, voilà. Non, je vais lui arracher la patte. Ah, salaud, ah. C'était dégueulasse, hein. C'est un guerrier, ce gamin, c'est pas possible. C'était un gros moustique. Ouais, c'est... Vraiment, ah, c'est... des engrenages. Dans une usine. On retourne dans une usine. Après les toits de l'hôtel, maintenant, on est dans une usine. Bah, depuis tout à l'heure, on y est, je pense, mais... Pourquoi? Oh là là, ça... Ça, ah. C'est curieux, monsieur, vous dis-je. Qu'est-ce qui est caché là-haut? Une cheminée? Non, un pont. Non, un petit pont? Non. Ah d'accord. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Des passerelles, je te dirais. Non, là tu peux pas aller plus loin. What the fuck? Qu'est-ce que c'est que ce truc encore? Là, je comprends pas le concept. Ah. Envoyer un pneu. Ah d'accord. Moi j'ai compris. Ok, il ouais, fallait que je set up l'autre. Faut que tu rapproches l'autre pour ensuite... Il faut que tu le tires en fait. Ouais, ça propulse. J'adore le bruit, hein, j'adore le bruit de la machine. Tu sais, on dirait les bruits dans les usines quand c'est la pause d'âge. Ouais, de ouf. C'est un bruit de cartoon. Par contre, du coup, tu vas être coincé parce que faut que tu le propulses de l'autre. Après, il faut que tu passes de l'autre côté. T'aurais dû te mettre de appuyer. Là, plutôt de ce côté. Là. Ouais, faut que tu laisses un espace. Tu te laisses un espace pour passer, appuyer sur le bouton et sauter. Ouais. Et après, ouais. Approcher le truc. Parce que je pense que t'as largement le temps et c'est largement faisable. Hop, hop. Ouais, vite fait, bien. En suivant logique. Voilà. Et comme ça, après, tu peux prendre l'autre et le pousser. Voilà. Joli. Bien vu. Et hop là, un pneu de gagné. Ouais, t'es mon pneu. C'est tombé. Comme ça, c'est tombé sur eux. Ça, c'est une très mauvaise idée. Ça, c'était un peu ambitieux, tu vois. Je crois que c'était un peu gourmand. Non, ouais, le pneu, c'était trop. J'espère que tu vas. Ah bah. Ouais, voilà. Le pneu, il est là. Bon, oui. J'espère qu'on n'a besoin qu'un seul. T'as été un peu trop. T'as été un chouille ambitieux. Merde. Oh, mais quoi? Mais d'où? Mais quoi? Quoi? Et comment? Juste parce qu'il s'est pris la caisse dans la tronche? Il est tombé. Ah, faut que tu repasses de l'autre côté et que tu poses le pneu sur le truc là. Sur ça là. Ouais, je pense. Oh, Google tombe dans le coquet. Très très bon ce chocolat, dis donc. Mais t'as vu? Ça, je suis tombé sur la caisse, ça va, je me suis pas cassé les pattes. Ouais, je comprends pas. Ah, attends. D'accord, donc faut mettre le pneu là. Ouais, mais il y a un problème. Ah. Le pneu, il roule.
Attends, j'ai une idée. Tiens, je vais plus vite que lui. Merde. Je suis dans des sauts. Mais dans l'idée, c'est ça qu'il faut faire en fait. Ça aurait dû marcher, ouais. En fait, déjà, si je fais pas de saut devant le pneu, par-dessus le pneu, ça me ferait gagner du temps déjà. Si le pneu te tue pas déjà, c'est bien. Hop, regarde. Voilà. On met en dessous, mais en dessous. Oh, joli, c'est... Tu l'as fait couper pour bugger le truc. Ça t'amuse de faire bugger la technologie. Du coup, ouais, c'est un casse pour rien, d'accord. Et oui. C'est là qu'est le topo. Oups. J'avais peut-être oublié ce petit détail. Bon. Ça, c'est pas cool, ça, par contre. T'as pris sentence, là. Ouais. J'étais un poil gourmand aussi. Je pense que j'étais un poil ambitieux comme toi aussi. Un peu trop, ouais. On est assez dans notre nature, on est très ambitieux, nous, les humains. On va rapprocher la tête. Ouais, c'était de la gourmandise, là. Ah, c'était de la pure gourmandise, là. Quel gourgandin. Gourgandin. Allez, ouf, on va pousser. On va repousser le pneu, vu qu'on a trouvé la bonne astuce. Bah, normalement, c'est ça. Hein. Je me suis dit, ouais, peut-être falloir... J'étais parti pour aller chercher plusieurs pneus et tout, moi. Mais... Oh, c'est bon, ouais. Un seul, ça suffit, je pense. Insupportable, le truc, c'est un peu. Alors maintenant, faut la pousser. En faisant gaffe. On va repousser la chose. Voilà. J'ai le goût de la caisse à faire moins de glissade, comme ça, moi, je me suis pas fait écraser la gueule par. Ce gros levier. Le gros machin là. Il m'a vraiment broyé la tronche, le truc. Hein. T'as pas raté. Hein. Ah bah, dans plus, ça, calme, des respects, quoi. Et là, il t'a. Oula. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? C'est un engrenage. Qu'est-ce que tu veux faire avec ça? C'est un gros engrenage. Je sais pas pourquoi j'ai peur. Oula, oula. Ouais, c'est quoi? C'est un gros engrenage ou c'est une grosse bombe? Non, c'est un engrenage. Est-ce qu'on emmène la caisse avec nous au cas où? Moi, je pense que c'est pas une mauvaise idée. Allez, hop. Non, bon, bah la caisse, elle vient pas, en fait. Elle veut pas? Non. Ça, c'est pas cool. Attends. Ouais, je crois qu'il faut vite sauter, parce que sinon, on va finir broyé. Ah, mais il y a une caisse, là, tu vois, comme ça, au moins. C'est réglé. J'ai pas besoin d'emmener la caisse, en fait. Et voilà, c'est ça qui est bon. Pardon. Des rougets que... de fin de soirée. De repas. Bah voilà, tu vois, on a passé l'engrenage. Bon, bah en fait, ça va l'engrenage. Au final, c'était pas si oula, terrible attends, que y ça. Il y a un bouton là. Il y a tout qui fait flipper dans cette usine, tu crois. Et... Ça marche comment ça? D'accord. C'est une échelle avant qui vient de descendre. Ouais, et en fait, je crois bien qu'en fait, on avait besoin de la caisse. Tout ça explique. Donc, est-ce qu'on doit pas, au final, pousser cette caisse et descendre le long de la roue? Peut-être que si. Ouh, okay, la caisse, tu l'as envoyée direct. Je tente un truc. Et où est-ce qu'elle est cette caisse? Hop là, et oh, voilà. Bien vu. Tu l'as expédié, comme on dit dans le milieu. Amazon. Ça, c'est un colissimo, ça, mon gars. Alors, hop. Voilà. Vite, vite, vite. Bah... Et voilà. Ah! Bah, en fait, je crois qu'il faut la deuxième caisse. Et peut-être un pneu. Au passage. Le pneu, je pense pas en fait. Je pense qu'il faut une caisse pour monter et une caisse pour maintenir le truc. Donc, il faut que j'aille chercher la deuxième caisse qui est de l'autre côté. Super. Allez, c'est parti. Et ça, oula. Ouf. On y retourne. Hop là, allez, zou. Zou. Ah bah, elle est là la deuxième caisse. Bah, parfait. Oui. Un changement de position. Il y a des gens qui passent une heure sur ça et nous c'est. Qu'est-ce que c'est une heure en fait? Et nous ça va être plusieurs épisodes. Nous c'est. Ça fait 10 minutes. Allez. En fait. Voilà. Oh elle tient vraiment. T'as le gars qui est nous, trop pas modeste. Et voilà. Oh.
La gravité, je m'en bats les cacahuètes. Genius. Lion. Et voilà. Là tu sautes et tu te casses le chemin. Ou la roue t'écrase, parce que je pense que ça peut t'écraser, bien sûr. Ouah, faudrait faire un test. On va excuser, faudrait que le gamin nous excuse, mais bon, voilà quoi. Hop. Une caisse dessus. Une caisse là. On met la bien contre le mur là. Yep. Ça va être tip top. Voilà, et notre caisse ici. Oh. Ouf. Si, regarde, tu vois. Large. Voilà. Oh, et un truc activé. Non. Ah, oula. Non. Oui, il y a un truc à activer. D'accord. Alors. J'imagine pas les gens qui travaillent dans cette usine. Qu'est-ce que c'est leur vie en fait? J'ai compris. Ah, bon, on fait ça. Non. Moi je pense qu'il faut d'abord le faire, tu sais, un peu bien se balancer, tu vois. Quand tu le fais bien se balancer et après tu le récupères. T'imagines les gars tous les matins à l'usine ils passent leur carte comme ça et ils doivent faire ça, passe au-dessus du truc électrique pour ne pas crever pour aller travailler. Tu veux le balancer comme ça? Ouais je pense, ouais. Parce que tu balances bien comme ça, tu fais bien quelques tours, après tu fonces allumer le truc. Genre tu sautes d'ailleurs, tu sautes derrière comme ça tu vas allumer le truc. T'as vu le truc où ça va loin? Je suis pas sûr de pouvoir récupérer moi. Mec, ça se balance. Voilà. C'était un peu. Vas-y. C'était un peu. Je pense que dans l'idée c'est ça, mais. Je pense que c'est chaud les marrons quand même. Hein. On va voir. Excuse-moi, je veux pas. Je te récupère de l'Aquarius. L'Aquarius. Alors. Clairement, avec le balancement, on n'arrive pas au bout. Hein. On va se faire se balancer ça comme il faut. De toute façon, faut juste se balancer comme ça et sauter là, mais bon. Je me balance et je me balance. Non. Je me balance. Je pense que même avec quelqu'un à distance du tuyau, tu n'arrives pas au bout. Alors. Non. Oh. Tu nous as fait une masterclass. Quoi, putain? Oh, voilà. Oula, alors là. Ça se tire ça? Oh, ça se pousse plutôt. Vas-y. Qu'est-ce qu'on va enclencher? Des belles choses. Je suis pas sûr. C'est l'usine là qui se déplace là? Qu'est-ce qui se passe? Oui, oui. C'est le sol qui tourne. Bordel de Dieu. What the fuck? Attends. Va pas trop vite. Le truc électrique il me rassure pas trop, tu vois. Et là, je pense qu'attends que ça tourne. Ah, bon. Fallait peut-être pas tirer en fait, fallait juste attendre. Bon, ouf. Bon, moi on revient là déjà. Oh, le manque du respect du truc ça a fait. Ouais, mais il était là en mode toi tu vas y passer, toi. Toi tu vas faire un petit sandwich, toi. Oh, toi. Un petit genre de fromage là. Attends, je peux pas me mettre là-dedans. Non. Tu vas y aller dans le fromage. Non. Maman. Tu comprends pas. Mais comment ça tourne? Hop là. On part dans. Mais qu'est-ce qui tourne? Je comprends pas. On part dans un délire là, je me dis non mais t'as toute l'usine qui tourne, c'est quoi ce bazar? L'usine c'est Bagdad quoi. Mais vas-y. Ah, c'est tombé tout seul, on est d'accord. Hein. Attends, je me mets bien en dessous. Et vas-y, fonce. Allez. Vas-y, avance-toi un peu. La gravité, il nique la gravité. Faut sauter là, non? Ouais, non. Oh, Smoke, qu'est-ce que tu... Elle a bouffé un papillon. Mais c'est pas possible d'être comme ça. On a bon. Un chat très... Ça s'est arrêté. Extrêmement... Ah, ça s'est arrêté? Ouais. Voilà, faut que tu... Récupère la caisse en bas. D'accord. Quoi? D'accord, tu ne peux pas bouger, c'est un aimant à caisse. Je crois avoir compris le truc. En fait, faut que tu te serves de la caisse pour sauter sur l'échelle. Donc, en gros, faut que tu calcules la distance entre ça et ça pour pouvoir être le plus rapidement en haut sans te faire écraser par le bloc.
Oh, ça devient vicieux. Non, va falloir faire des calculs de maths. Oh, il faut que tu la pousses à fond. Là, je pense que t'es bon. Ah, pas du tout. Non. Il faut que tu la repousses. T'aurais dû l'appuyer juste avant, en fait. Non, mais repousse-la. Ah, bah, attends, est-ce que je peux la pousser ou la tirer quand elle est comme ça? Non. C'est un aimant, ça, j'ai ton aimant. Et une lampe qui agit comme un aimant, quand même. Hein. Ouais, déjà, alors déjà, le aimant est ultra puissant. En plus, il y a des moucherons d'eau. Surtout, c'est une lampe qui fait aimant. C'est quoi ce bordel? Insane. Ah oui, on va voir ce technique. Là, c'est... Je sais pas si je dois la bloquer, tu vois. Si je dois d'abord... Non, moi, je pense que tu dois la bloquer une bonne distance pour pouvoir sauter là-haut. Ah oui, et ensuite... Genre au milieu. Ouais, là. Je pense que là, t'es pas trop mal. Bah là, je peux monter. Ça, c'est... Et t'atteins le bord, je suis sûr. Voilà. La large. Voilà. Bien vu. Tu vois, je t'avais dit au milieu. Super bien vu. Là, Malinx le lynx. Là, c'était facile. Allez, ça devrait le faire. Vas-y, fonce qui. C'est le gosse. Qu'est-ce que tu fais? Je vois que tu n'as pas appuyé sur la touche chaud. Non, mais j'ai appuyé sur la touche saut, c'est juste qu'il avait pas. Il avait pas envie. Il a dit nique. Allez, gamin, ça passe, oui. Mais non. Oh, le mec fait des feintes. Quelle horreur. Il fait des feintes à la mort, elle attend. J'aurais peut-être carrément pas dû faire ça. Ouais. Bon. Ouais. Bon, alors. Déjà c'était ça, mais il faut monter en haut de la corde, je crois. Et la caisse, du coup, elle sert à quoi? Moi, je pense que la caisse, faut la laisser là. Ouais, je crois aussi, en fait. Je crois qu'il faut pas qu'elle se fasse casser. Je sais pas, j'ai voulu faire un speedrun comme un fou, et... Ah mais non, je peux pas, là. C'est quoi qui... Si, attends. C'est quoi qui tourne, en fait? En fait, je peux pas. C'est l'usine, en celui-là. Non, je peux pas la... Je pense qu'il y a un truc à faire avant. Tu peux l'attraper, mais une fois comme ça, là. Ouais. Tu peux l'attraper, je pense, mais... N'active pas de suite, moi je pense qu'il faut que tu mettes la caisse avant. Bah ouais, ça, je la mets là. Pour ensuite monter en bas de la corde. Mais il faut d'abord activer que ça tombe. Ouais. Et faut faire gaffe parce qu'il y a une grosse... Il y a l'air d'avoir une grosse foreuse. Une grosse circulaire. Attention, la caisse, elle va descendre en bas. Non, non, attends. Si, ok, j'ai capté le bail. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est électrifié, ça? Et c'est électrifié. Oh, d'accord. Non, mais... Okay. Merci. Okay, moi, je me suis dit, tu te poses, tu récupères ta caisse, tu vois, tranquille. Non, ah, oui. En fait, il faut sauter sur la caisse. Ah, quand ça va tourner. Oh. Non, mais là, les gars, on part dans des bails. Là, c'est sombre, ce qui se passe ici. C'est des grands malades, hein. Bah, monte bien, parce que... Et en plus, après, faut pas se rater la caisse, sinon tu... Qu'est-ce que c'est que cette usine, en fait? Comment on est où, là? C'est la... Mais c'est la teuf ou quoi, là? C'est quoi, ce merde? C'est pas que celle. Faut pas descendre trop bas. Faut pas trop se balancer, non plus. Ah ouais, faut attendre la caisse. Non! Adios. Oh. T'as une autre chaîne au bout. Ah, ok, non, c'est bon, j'ai capté. Bon. Je vois le topo. En fait, faut c'est chaud les marrons. Faut vraiment sauter sur la caisse au tout dernier moment. Quoi. Ouais, c'est un peu plus ça. Bon, du coup, on voit rien, vu qu'au multiples essais, nous allons faire des 4. Hein. Ouais, bah oui, c'est normal. Ouais. C'est pas comme si on mourait un peu, mais un peu. Quoi. Un peu. Mais c'est ce qu'on appelle le die and retry. Ouais, c'est ce qu'on appelle Limbo. Comme d'autres jeux. Ouais. Alors. Mais après, on commence. Ouais, là, je pense que c'était bien, donc, écoutez. Vas-y, il a des cheveux trop longs. T'as la mèche qui a touché, quoi. Ouais, la mèche, elle a touché, ça l'a... Les cheveux. Non, mais sérieux. Coupez-vous les cheveux. Ah, ouais, coupez-vous les cheveux, ça peut vous tuer, hein. Les cheveux courts. Ah, ça fait couper les cheveux et ça fait tuer le pauvre gros. Des cheveux trop longs dans le jeu. Les cheveux, c'est une hitbox, mine de rien. T'as frôlé. Ah ouais, ouais. En fait, c'était faut être ni trop haut ni trop bas, quoi. C'était au poil près, quoi. Vas-y, je te procède. En fait, il faut peut-être sauter sur la caisse.
C'est périlleux leur histoire. Et le bruit des lames aussi là, c'est bizarre. J'entends bien ça. Voilà. Hey, tu surfes sur la boîte, non? Ouais, voilà. S'il vous plaît. Saute. Non. Si. Non, comme attendre. Ça, tu vas glisser. Faut attendre. Voilà, ça bouge plus. Je me dis que ça bouge. Hop. Oh, ah oui, d'accord. Oh. Il glisse en arrière avec style. Pas la marque, je précise. Hop. Il y avait un truc avec ce caillou, je le sens. Oh. Je sens qu'on va encore crever. Encore un levier horrible. Ouais, parce que regarde, le caillou il va te tomber sur la gueule. Oui, c'est exactement ça. Faut que tu te barres avec la caisse. C'est sûr. Y'a pas de son, c'est impressionnant. Ça me. Y'a un petit son un peu profond. Ah, mais non. Non. Le mur, il a. Et en plus, faut pas attendre trop parce qu'il y a une barre qui se rabat, donc après, tu ne peux pas remonter. Oh là là, non mais c'est quoi ce niveau? Ouais, non mais c'est malade. C'est des grands malades. Attends, fais gaffe parce que la caisse te bute pas. Il faut pas traîner en plus. Hein. Ah ouais, peut-être... Non, je pense que ça va pas être bon. La caisse elle a fait non. Non. T'as pas assez de portes, mec. Clairement non. Vas-y le. C'est bon. On se martyrisé. Bon allez, dernier essai et après ce sera sur le prochain épisode. Ouais, parce que là, c'est devenu usant. C'est le martyr. Ah bon, on a clairement un bouc émissaire. Non, mais là... Qu'est-ce qu'il faut? Est-ce que tu dois la mettre au fond du trou? Non. Non. Faut la mettre un peu plus au bord peut-être, je sais pas. Je pense qu'il faut la mettre au bord, il faut là, sauter maintenant. Avant que ça. Se ferme. Bah ouais, voilà. En fait, on est bête. Oh, ça s'emboîte. Oh, ça s'est emboîté. Oh, c'était beau, parfait. Ça. Qu'est-ce que c'est? Papillon de lumière! Un papillon? Attrape-le. Un engrenage encore. Bah ouais, on est dans une usine après tout. On a réussi à le passer. Il pleut des engrenages. Oula. On voit à l'extérieur. Qu'est-ce que c'est que c'est un monsieur? Ah! Oh, mais sérieux, on peut pas aller voir. On peut pas aller parler à une belle fille tranquille. Je sais pas si c'est une fille. Oula, attends. Ouais, attends, là je sens le truc qu'il faut. D'accord. Ok. C'est l'engrenage qui t'aura tué. Faut clairement. Oh mais d'accord, comme ça direct là, y'a plus de. Ouais, non, en fait, c'est quoi? Je pense qu'il faut sauter vraiment quand t'es en haut de l'engrenage pour attraper le bord. Voilà. Genre comme ça? Ouais, comme ça, ouais. Comment j'ai pas réussi à faire. Ah, bah, la lampe elle va griller, je sens. Vas-y, crie là. Demi-tour. La lampe n'était pas assez puissante pour moi. La lumière apparemment n'est pas... Je sais pas combien de temps ça doit rester, c'est le saut des vampires ce truc. Non, c'est repris ce machin. Je fais des super sauts. Quoi? Oula. C'est quoi la lampe? C'est où la fille avec Ouais, alors là... Gat éternise pas. Mais l'autre il est encore plus long s'il te plaît. Attends. Je crois que c'était. En fait, je me suis dit. Ça goûte et tout, c'est dégueulasse. Je me suis dit, en fait, tu peux peut-être retourner en arrière pour récupérer l'échelle. J'aime bien qu'il y avait le verre, je crois. Bon, écoutez, on va s'arrêter là et on va continuer sur le prochain épisode. Ouais, je pense que ça va être au niveau des presses, c'est bien parce que là, ça va être vraiment de la mort en boucle. Ça va être de la mort, je pense. Surtout s'il y a des presses aussi longues que l'autre, ça va être la fin là. Ça va être compliqué, je pense. C'est un pipo. Bon bah la prochaine fois n'oubliez pas notre petit like, le petit commentaire. Ouais, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, bien évidemment. Tchuss.